mis à part pour toi, mon seul maître et prêt à t'obéir, à t'obéir. Être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Ô Dieu de grâce, c'est ma prière. C'est ma prière, Seigneur, et tu sais que je ne peux y parvenir par mes propres forces. Mais Seigneur, ce que tu veux en nous, c'est la volonté, le vouloir. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons être saints. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons faire ce que tu nous commandes. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore. Et nous sommes loin d'être parfaits. Il y a une longue route à parcourir encore, Seigneur Jésus. Mais nous regardons à toi et c'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Que ta grâce agisse encore en nous, Seigneur, s'il te plaît. Ta grâce, aide-nous à la saisir. Merci Jésus, merci. Être saint, prêt à t'obéir. L'obéissance est certainement une chose nécessaire dans la vie chrétienne. L'obéissance, c'est la reconnaissance de l'autorité qui nous commande. La reconnaissance de l'autorité et l'humilité également pour écouter ce qui nous est dit et l'appliquer. Obéir à Dieu, c'est honorer Dieu. Et nous sommes tous appelés à l'honorer et à le reconnaître comme étant l'autorité suprême au-dessus de nous, celui qui tient nos vies dans sa main. Et qui tient notre destinée, notre futur, quelle qu'elle soit. Être saint, lui obéir. La sainteté passe par l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de sainteté. Ceci fait un tout. Nous sommes déjà depuis passablement de temps sur les 10 commandements que nous étudions les uns après les autres. Et dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur le commandement, le 5e commandement. Et il n'a pas été possible de dire tout ce qu'il y a à dire sur ce 5e commandement. Et nous allons continuer aujourd'hui. Au premier culte, nous ne sommes pas arrivés à épuiser le sujet encore. Je ne sais pas si on va l'achever maintenant. Ce 5e commandement où il est écrit au verset 12 d'Exode 20, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Un commandement, honore, tu peux honorer si tu veux, non, honore, un commandement qui vient de Dieu. Honore qui? Ton père et ta mère. Afin que... Conséquence de ce que tu honores ton père et ta mère, tes jours se multiplient, se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Commandement avec promesse. Nous avons parlé déjà dimanche passablement sur ce sujet. Et nous avons vu que honorer son père et sa mère, il faut d'abord définir cela. Et nous vivons dans une époque tellement déséquilibrée où certaines fois, bien souvent, les enfants se demandent qui est son père et qui est sa mère. Nous vivons à une époque tellement déséquilibrée que les valeurs de la famille ont été complètement détruites. Et que nous vivons dans une confusion épouvantable au niveau de la famille, à tel point que notre monde, où que ce soit, non pas seulement ici en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis, à travers le monde entier, la famille est en train de s'effriter et de s'effriter et n'a plus le sens qu'elle devrait avoir originalement.
Le sens que Dieu lui a donné à cette famille, c'est-à-dire papa, maman. Quand il y a papa et maman, il y a déjà famille. Les enfants sont une conséquence de ce que papa et maman s'aiment et vivent ensemble. Les enfants en sont une conséquence et le cadre dans lequel ils doivent grandir est déjà là. Il y a papa et maman qui sont liés l'un à l'autre pour la vie. Et c'est ainsi que les enfants vont grandir dans une cellule familiale. Lorsque nous parlons de la famille, comme je l'ai dit déjà dimanche dernier, nous parlons de la cellule familiale. Papa, maman et les conséquences qui sont les enfants. Je ne parle pas de la famille par extension, non, parce que chaque membre de la famille par extension est une famille en elle-même avec papa, maman et les enfants. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps de confusion où la famille n'est plus ce qu'elle doit être. La famille n'est plus cette cellule solide qui influence la société. Au contraire, elle est complètement effritée et tous les principes qui devraient sortir de la famille sont anéantis. Anéantis parce qu'on ne remplit pas ses responsabilités en tant que papa et en tant que maman. Les enfants, par conséquent, sont élevés plus ou moins élevés, du moins. Ils sont nourris et habillés, mais il faut plus que cela pour les enfants. La responsabilité du papa et de la maman ne s'arrête pas à nourrir l'enfant et à l'habiller. C'est bien plus que cela. Il y a des parents qui n'ont pas beaucoup à donner comme vêtements à leurs enfants, ni beaucoup à manger, mais qui élève une famille qui devient une famille noble. La noblesse n'est pas quelque chose qui est donné par l'argent ou par les connaissances intellectuelles. La noblesse, c'est quelque chose qui est enseigné à la maison, qui est vécu à la maison, jour après jour, depuis que l'enfant est petit jusqu'à ce qu'il soit grand. Le respect, c'est quelque chose qui est enseigné à la maison. L'obéissance, c'est quelque chose qui est enseigné à la maison. Toutes ces choses-là et toutes ces valeurs qui font une famille solide, c'est renseigné par papa et maman. Et un enfant ne peut pas respecter son père et sa mère si depuis son enfance, il n'a pas été enseigné à respecter son père et sa mère. C'est pourquoi je dis que ce commandement s'adresse d'abord à toi, papa, et à toi, maman. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Et peut-être que si tu ne l'as pas appris alors que tu étais petit, à cause du mauvais exemple que t'ont donné ton papa et ta maman, il n'est pas trop tard pour que tu l'apprennes maintenant. Il n'est pas trop tard pour que tu saisisses ces vérités et que quelque chose soit changé. Nous ne pouvons pas espérer une meilleure société si la famille d'abord n'est pas fondée sur un fondement plus solide. Si la famille, d'abord, n'est pas ce qu'elle doit être. Nous pouvons parler de civilisation, nous pouvons parler de progrès, nous pouvons parler de développement. Il n'y a pas de développement tant que la famille elle-même n'a pas compris ce qu'elle doit faire, tant que papa n'est pas ce qu'il doit être dans la maison et que maman n'est pas ce qu'elle doit être dans la maison. Nous vivons dans une société complètement malade aujourd'hui, complètement malade et déséquilibrée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, papa ne prend pas ses responsabilités. Quant à maman, elle ne fait pas mieux bien souvent. Bien souvent, la maman n'a que ses yeux pour pleurer à cause de l'infidélité de papa. Et les enfants ont un terrible exemple. Du moins, ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas d'éducation. Frères et sœurs, l'éducation, tout le monde peut la donner. Même le pauvre comme le riche peuvent donner l'éducation à son enfant et faire de son enfant une élite, un travailleur, un homme et une femme de parole, un homme et une femme de respect d'autrui, un homme et une femme d'acceptation de l'autre, un homme et une femme d'acceptation des différences, un homme et une femme qui sont un plus dans la société. Et ces choses se font, se passent, se créent à la maison avec l'éducation qui est donnée par papa et maman.
Nous nous plaignons de ce que notre société aille mal. Nous nous plaignons qu'il y ait des drogués un peu partout. Nous nous plaignons qu'il y ait des prostituées. Nous nous plaignons qu'il y ait de l'alcool, qu'il y ait du sida et qu'il y ait toutes sortes de choses comme cela. Le mal, le sida, il était là, dans la famille, avant d'être dans les corps. La destruction de la famille. Ce commandement est valable encore aujourd'hui et il nous ouvre une perspective immense. Déjà dimanche dernier, nous avons parlé pendant plus de 45 minutes là-dessus et je m'étonne, nous n'avons pas terminé et je ne suis pas arrivé à terminer au premier culte. Frères et sœurs, ce sont des choses trop importantes pour être négligées. Nous voulons un changement dans notre société, nous voulons un pays qui marche, mais tant que la famille est détruite, le pays est détruit. Ce n'est pas les nouvelles lois, ce n'est pas les nouveaux partis politiques, ce n'est pas les nouveaux dirigeants qui vont changer quoi que ce soit si la famille est détruite et que l'enfant n'est pas éduqué comme il doit l'être. Si les violations des lois commencent dans le foyer, on violera aussi les lois de l'État et on violera les principes même de la société. On vivra dans la magouille et on refusera le contrôle, on refusera la discipline et il ne pourra pas y avoir de marche équilibrée. Et même l'Église ne peut pas marcher si les familles sont défaites et en division, si les gens de l'Église refusent la discipline, le contrôle, l'honnêteté. Nous ne voulons pas bâtir une église dont le fondement est chancelant. Nous voulons bâtir une église solide. Et si l'éducation a manqué à la maison, l'éducation doit recommencer ici, dans l'église, car nous appartenons à une nouvelle société qui doit changer la société dans laquelle nous vivons. Oui, c'est dur. Je sais que c'est dur. Pagayer contre le courant, c'est dur. Si vous arrêtez un instant, la pirogue va aller en arrière. C'est un effort, mais nous devons accepter l'effort. Nous devons accepter d'aller contre-courant. Nous devons accepter d'être critiqués. Nous devons accepter d'être rejetés. Rejeter pour la vérité, c'est un honneur. Critiquer pour la vérité, c'est un honneur. Laissez ceux qui veulent marcher dans la magouille et dans le mensonge et dans la malhonnêteté faire ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas besoin de les suivre. L'Église elle-même sera solide pour autant que les familles qui s'y trouvent sont solides. C'est les familles dans l'Église de la borne, ce sont des familles qui vivent dans le péché et dans le compromis. La borne ne vaut rien. Ma religion ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et il sauve celui qui accepte que sa vie soit changée. Et personne ne peut changer la vie d'un autre, si ce n'est le Christ vivant. Quel qu'ait été notre état de vie avant, c'est maintenant sous le sang de Golgotha. Mais maintenant que vous êtes avec Christ, c'est un nouveau genre de vie. Et il faut corriger ce qui était mal au départ. Ce que vous n'avez pas appris dans la famille, vous devez l'apprendre dans l'Église. Combien je déplore souvent ces petits jeunes gens pleins de feu et pleins de flammes qui viennent à l'église. Ils ont cru en Jésus-Christ, c'est bien, mais il faut refaire leur éducation. Combien de fois je l'ai vu? Il faut refaire l'éducation. Ils ne savent pas ce que c'est que dire la vérité. Ils ne savent pas ce que c'est que gérer honnêtement. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être poli. Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir du respect. Et combien de fois il faut les corriger? Et on va les corriger, parce que la société du royaume des cieux, c'est une société élite. Je demande à Dieu que chacun des membres de cette église soit d'une élite qui influence l'entourage, qui influence les autres, par un exemple de transparence, de vérité. Oui. C'est Dieu qui parle. Souvent, il parle par quelques mots, mais quand vous analysez ces mots, vous allez profond, profond, profond. Et on se demande quand on peut s'arrêter.
La parole de Dieu est si profonde que certaines fois, à mesure qu'on en parle, à mesure on découvre d'autres merveilles et d'autres vérités. C'est pourquoi, comme je le disais dimanche dernier, certaines fois on est un peu dans la confusion et on se demande, dans le fond, qui est mon père et qui est ma mère. Et pourtant, Dieu a bien dit ce qu'il a dit. Il a bien dit ce qu'il a dit. Et nous devons retrouver l'équilibre à notre niveau, en tant que famille et en tant qu'église et en tant que chrétien qui voulons faire une différence dans le monde. Si le chrétien ne fait pas une différence dans la société d'aujourd'hui, au Congo, le Congo n'a plus d'espoir. Le christianisme, c'est bien plus que de danser sur une place publique. C'est bien plus que de prêcher la prospérité. C'est bien plus que toutes ces choses-là, le christianisme. C'est d'abord une vie changée, un homme qui ne vit plus dans la magouille et dans le péché. C'est un homme qui respecte sa femme et qui vit avec sa femme et ses enfants et qui respecte la parole de Dieu. C'est un homme qui est un exemple pour les autres et qui marche avec Dieu. Et parce qu'il marche avec Dieu, parce qu'il marche dans la vérité, Dieu le bénit et il prospère dans ses affaires. Mais c'est jamais la prospérité avant tout. La prospérité n'est pas un gage, n'est pas un exemple comme quoi moi je suis un homme spirituel. Il y a plein de magouilleurs qui prospèrent. Il y a plein de magouilleurs qui ont un compte en banque. Il y a plein de magouilleurs qui voyagent tous les mois en Europe. Dieu veut d'abord que la vie soit changée. Ce n'est pas l'argent qui donne l'exemple de la spiritualité. Ce n'est pas la possession des biens qui donne l'exemple de la spiritualité. L'exemple de la spiritualité, c'est le courage de la vérité. Le courage de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est équilibré. Et c'est de vivre selon les principes de la parole de Dieu. Une vie nouvelle. Et alors, à ce moment-là, Dieu bénit. Et il bénira. Tu auras plus que tu en as besoin pour toi-même. Alors tu vas donner pour l'œuvre de Dieu. Tu vas donner pour que d'autres prospèrent à cause de ta fidélité. Aide-nous à comprendre, oh Dieu. Quand j'entends des fois les choses qui sont dites, je me dis, mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Pourquoi ils sont à tel point aveuglés? Prêche contre le péché, prêche contre les choses, les souillures qui se font dans ce monde. Ceci vient d'abord, la repentance, la première des choses que Dieu demande. Au lieu de rejeter ce commandement, cherchons à le comprendre. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le pays de l'Éternel ton Dieu te donne. Où il y a du diamant. Où il y a du pétrole. Où il y a des bonnes terres. Où tout pousse. Où il y a plein d'eau. Où il y a une belle nature. Où il y a une belle vie sauvage. Attention, ne détruis pas cette vie sauvage. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils auront? Un désert après? L'égoïsme, oh l'égoïsme. Le pays que Dieu t'a donné, qu'en fais-tu? L'exploiter jusqu'à la corde? Demain, je m'en fiche? Non. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Au lieu de rejeter ce commandement, cherchons à le comprendre. Tout ce que Dieu donne et dit est profitable. Tout ce que Dieu donne, oui, il y en a beaucoup qui disent, oui, Dieu donne, je vais en profiter. Ah, mais ce n'est pas tout. Et dit. Mais là, on ne veut pas écouter ce qu'il dit. On ne veut pas écouter ce qu'il dit. On ne veut pas écouter sa parole. On veut faire sa propre volonté. Tout ce que Dieu donne et dit est profitable et n'est jamais pour détruire, jamais pour détruire. Il y a là une volonté de Dieu pour notre bien,
une volonté de Dieu qui nous est profitable. Croyez-vous que Dieu veut que nous soyons pauvres? Moi, je ne le crois pas. Je n'ai jamais prêché la pauvreté. Croyez-vous que Dieu veut que nous ayons faim et que nous n'ayons pas d'habits à nous mettre et pas de maison à loger? Il serait un mauvais Dieu s'il vous laisse là. Mais ça, ce ne sont pas les premières choses dans la vie. La première chose dans la vie, c'est de connaître Dieu et de vivre pour lui. Et il se fera un plaisir de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et en plus de cela, il nous donnera le contentement. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de riches qui n'étaient jamais contents avec ce qu'ils avaient. Et j'ai vu des pauvres, entre guillemets, qui étaient satisfaits et qui avaient le contentement parce que chaque jour, ils avaient la nourriture nécessaire. Tout est relatif dans ces termes de riche et de pauvreté. Tout est relatif. Beaucoup de riches sont très pauvres, très pauvres, très pauvres. Dieu veut notre prospérité spirituelle. Spirituelle. Et conséquence, nous prospérons en toutes choses, au lieu de gaspiller notre argent à des futilités. Sachant que les 10 commandements sont adressés en premier aux adultes, membres de la communauté d'Israël, et par prolongement, membres du corps de Christ. Ce commandement est adressé aux adultes. D'abord, il est dit « Honore ton père, ta mère », d'accord, mais d'abord, c'est adressé aux adultes. Ce sont les premiers responsables. Les plus jeunes sont concernés, bien sûr, mais ne sont pas directement responsables. Les parents sont les premiers responsables et c'est à eux d'enseigner les vérités divines aux enfants. Pourquoi est-ce que ton enfant ne te respecte pas? Pourquoi est-ce que ton enfant n'a pas d'égard pour toi? Eh bien, parce que tu n'as rien fait pour lui. Tu l'as laissé grandir comme une mauvaise herbe. Voilà, tu ne l'as pas éduqué, tu ne lui as pas enseigné le respect d'autrui, tu ne l'as pas enseigné le respect de tes parents. Ton enfant pouvait dire n'importe quoi dans la maison. Il pouvait se mettre en colère, il pouvait t'insulter, il pouvait te voler. Je connais beaucoup d'enfants qui volent leurs parents. Et toi, tu disais rien. Ou alors tu disais, comme j'ai vu dans certaines familles, pas ici, mais j'ai vu ça ailleurs, dire à l'enfant, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Oh, je t'en prie, c'est pas bien. C'est comme ça qu'on éduque un enfant? Eh non! Dis, viens voir ici, toi. J'ai deux mots à te dire. Tu sais que je t'ai défendu cette action. Je t'ai défendu de faire ceci ou cela. Et maintenant, ça se répète. Je t'ai dit que la prochaine fois, tu aurais une claque. Eh bien, voilà ta claque. Pan! Et que ça ne se reproduise pas, parce que la prochaine fois, tu auras double. Tu as compris? Je veux que tu me répondes. Est-ce que tu as compris? Oui, papa. Eh oui, c'est comme ça. Mais combien d'entre nous, nous ne le faisons pas? Oh, il est tellement mignon. Parce qu'il est mignon, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il sera plus mignon s'il vous obéit. Parce qu'en grandissant, il va devenir un rebelle. Il doit apprendre à obéir. L'obéissance s'apprend à la maison. Le respect de l'autre s'apprend à la maison. Le respect des commandements et des lois s'apprend à la maison. Mais combien d'entre nous, nous avons grandi comme des petits sauvages? Pourquoi? Papa n'était jamais à la maison. Maman nous laissait seuls parce qu'elle allait vendre au marché pour nourrir ses enfants. Nous avons grandi dans la rue. Et nous avons pris toutes sortes de mauvaises choses avec les autres. Et nous avons été influencés de la sorte. Et nous avons grandi comme papa de l'argent. Nous sommes allés à l'université. Comme papa de l'argent, il nous a fait voyager en Europe. Mais nous sommes restés sauvages. Maintenant, nous revenons avec un diplôme et rempli et bourré d'orgueil. Moi, je.
Mais moi, je ne sais pas respecter son prochain. Moi, je ne sais pas respecter le commandement. Moi, je ne sais pas être un bon citoyen dans son pays. Le moi, je est absolument incapable de se soumettre. Voilà. Et ça fait un sauvage éduqué. Résultat, la pagaille. Résultat, on ne pense qu'à soi-même, au lieu de penser aux autres. Qui est responsable de cela? C'est toi, papa, et c'est toi, maman. Honore ton père et ta mère. Ce commandement s'adresse d'abord à toi, papa, et à toi, maman. Ton enfant ne saura respecter son père et sa mère si toi, tu ne te respectes pas toi-même et que tu n'es pas un exemple dans ta famille. Devant tes enfants, ton fils et ta fille. Les parents doivent enseigner les vérités divines aux enfants. Cette cellule familiale, c'est là le début de la vraie civilisation et de la prospérité du pays. Vous m'entendez? Papa, maman d'abord. Ensuite, les enfants qui sont une conséquence. Mais quand papa et maman n'ont pas d'enfants, il n'y a pas moins cellule familiale, il n'y a pas moins mariage. Cessez de dire que quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas vrai. Tu es lié à cette femme jusqu'à ce que la mort s'en suive. Enfant ou pas enfant, vous êtes mariés et vous vous devez l'un à l'autre. Bien sûr, c'est magnifique d'avoir des enfants, mais ici au Congo, dans la culture du Congo, mais c'est une véritable drame quand il n'y a pas d'enfants dès le premier 9 mois. Cessez de dramatiser, vous bloquez votre femme. Je connais des femmes, même ici dans l'église, qui après 6, 7, 8 mois, 9 mois, n'avaient pas d'enfants, elles commencent à paniquer. D'abord la pression de la famille, quand c'est que tu vas avoir un enfant. Moi j'ai parlé à un jeune frère ici et je lui ai dit, attention mon frère, il y a un peu plus d'une année que tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant, mais tu dois protéger ta femme. Ne laisse personne embêter ta femme pourquoi tu n'as pas encore d'enfant. Vous savez qu'il y a des femmes tout à fait normales, mais qui sont bloquées au niveau de là, de la tête à cause de ça. Tout est normal. Le père est normal, la mère est normale, mais il y a un blocage là, à cause de la culture, à cause de la pression des parents. Je dis, parle à ta femme, dis à ta femme, écoute ma femme. Pour moi, c'est plus important que tu sois avec moi. Et tu sais que je t'aime, qu'il y ait enfant ou pas enfant, je t'aime. Vous devez contribuer à aider votre femme qu'elle ne soit pas stressée par ces idées-là. La première des choses. Père, défendez votre femme. Ne laissez pas la famille l'agresser. Vous n'avez qu'à leur dire avec autorité, ce n'est pas votre affaire, partez. Ah, vous connaissez votre culture, n'est-ce pas? Et moi, je la connais bien, puisque je suis plus africain que vous. Je suis plus vieux que vous, je suis né en Afrique et je connais bien tout ce qui se passe parmi bien de vos tribus. Moi, je suis aussi d'une tribu à part, d'accord? Et ma tribu a dû j'ai dû laisser beaucoup de choses de ma tribu, mais ne croyez pas que dans chacune de nos tribus, tout est magnifique. Et comme quelqu'un qui n'y a pas longtemps me disait, « Oh, chez nous, les Bakongos, on ne vole pas. » Aïe, aïe, aïe. Faut pas me dire ça à moi. Hein. Faut pas me dire ça à moi. Les Bakongos ne volent pas. Moi, je peux te montrer 1000 exemples que les Bakongos volent. Aussi bien que les Baloubas. Écoutez, quand le cœur n'est pas changé, nous sommes tous des magouilleurs, nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Arrêtez de me dire que votre tribu est la meilleure. Qu'est-ce que vous diriez si ma tribu est la meilleure? Non, elle n'est pas meilleure. Il n'y a que celle du royaume des cieux. Changée par le sang de Christ. 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 Nous avons tous besoin d'être changés. Si nous sommes changés véritablement et que nous formons une famille, papa, maman,
Et que, parce que nous sommes une famille aimante et que nous cherchons Dieu, Dieu nous bénisse, nous avons un enfant, nous avons deux enfants. Si vous en voulez 10, c'est votre affaire. Mais sachez que vous êtes responsable de chacun de ces enfants. Non seulement pour les nourrir et les habiller, mais pour les préparer à la vie jusqu'au moment où ils deviennent majeurs. Après ça, qu'ils prennent leurs propres décisions. N'allez plus les dominer quand ils sont devenus majeurs, vous entendez? Ça, c'est plus votre droit. Ils sont devenus majeurs, qu'ils conduisent leur vie. Vous pouvez donner des conseils, vous n'avez pas le droit d'imposer quoi que ce soit. C'est devenu eux-mêmes des cellules dès l'instant où ils sont mariés. Et vous, papa, et vous, oncle, et vous, noco, et vous, coco, ne venez pas les embêter continuellement. Des cellules autonomes qui prennent leurs responsabilités. Maintenant, ces enfants, ils doivent honorer leur père et la mère. Ils ne doivent pas les oublier. Quand ils deviennent incapables de pourvoir à leurs besoins. Je ne dis pas quand le papa est encore fort qu'il faut qu'il exploite ses enfants. Non! Parce que là, il y a aussi de l'exploitation. Non, le jour où le papa et la maman n'ont plus assez de force pour travailler, pour subvenir à leurs propres besoins, c'est le devoir des enfants de les honorer et de dire « Papa, t'en fais pas, maman, t'en fais pas, voilà une place pour vous. Vous m'avez aidé, vous m'avez nourri quand j'étais petit. Vous avez sacrifié pour que j'apprenne à l'école. Vous avez fait beaucoup. Maintenant, votre force n'est plus la même. Alors, ne vous en faites pas, on est là. On est là. Et nous avons besoin encore de vos conseils. Oh, le cœur du papa et de la maman s'en trouve soulagé. Il s'en trouve soulagé. C'est ce que Dieu veut dire. Et cette action est une conséquence de l'éducation que vous avez donnée, vous, papa, et vous, maman. Il est bien dit dans Deutéronome 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous voyez la première chose. Ces commandements seront dans ton cœur, toi papa, toi maman. S'ils sont dans ton cœur, alors tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Vous voyez? D'abord toi, papa et maman, ces commandements dans ton cœur. Et parce qu'ils sont dans ton cœur, maintenant, tu communiques ces commandements, ces principes de la vie à tes enfants. C'est pour ça que je dis ce commandement, honore ton père et ta mère, s'adresse d'abord au papa et à la maman. Que fais-tu avec tes enfants, papa et maman? Est-ce que vous parlez à vos enfants? Est-ce que vous priez avec vos enfants? Avez-vous un dialogue entre vous? Est-ce que l'enfant a confiance en vous, papa, a confiance en vous, maman, pour venir poser des questions sur les choses qu'il rencontre dans la vie, qu'il ne savait pas et que tout d'un coup il découvre? Qu'est-ce que vous faites pour aider vos enfants, dites-moi? Aujourd'hui, on apprend toutes les saletés inimaginables dans la rue. Mieux vaut que mon enfant apprenne les choses normales dans la vie avec papa et maman que dans la rue de façon sale avec des prostituées. Vous me saisissez? Est-ce que tu remplis tes devoirs vis-à-vis de ta fille? Ta fille commence à avoir ses premières règles. Maman, est-ce que tu remplis tes devoirs pour expliquer les choses de la vie à ta fille? Et papa, ton fils, il grandit et il se trouve agressé par toutes sortes d'histoires qu'il entend et toutes sortes d'images qu'il voit à la télévision, qu'il voit sur les affiches. Tu dois préparer ton fils bien plus jeune maintenant qu'avant. Bien plus jeune que maintenant qu'avant. Si tu ne le fais pas, tu seras coupable. Il faut qu'il y ait un dialogue entre toi et tes enfants.
Si tu ne sais pas comment t'y prendre, demande à Dieu. Mais c'est ton devoir. Oh, je sais, c'est pas selon la culture. Je m'en fiche de la culture. Votre culture, notre culture, n'a rien fait de bon. Il nous faut la culture du royaume des cieux. Et nous devons demander à Dieu qu'il nous aide à éduquer nos enfants dans les choses de la vie, à éduquer nos enfants dans les problèmes qu'ils trouvent devant eux, à éduquer nos enfants dans toutes ces choses qui les agressent aujourd'hui dans notre soi-disant civilisation moderne. Les préparer pour la vie. Vous devez dire à vos enfants, ce n'est pas parce que tu es attiré par ce garçon ou ce n'est pas parce que tu es attiré par cette fille que forcément tu dois avoir des relations avec, d'une façon ou d'une autre. Cette attirance est naturelle, mais tu es maître de toi et c'est toi qui diriges ton corps, ce n'est pas ton corps qui te dirige. Mais voilà, bien souvent les pères et les mères ne font rien du tout pour aider leurs enfants. Ils ne font rien du tout pour les aider à passer ce temps où il semble que tout est en train de remuer dans ce corps de chair qui se réveille aux réalités de la vie. Tu dois l'aider, tu dois le diriger. Tu dois le conduire. Comment ? Avec la parole de Dieu. Et si quand il était tout petit, tu as su mettre Dieu à la bonne place, crois-moi, quand il sera plus grand, il va s'accrocher à ce Dieu. Et il ne va pas le laisser. Même s'il y a une crise, à un moment donné, une autre, il va revenir. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras dans ta voiture, quand tu seras en voyage, quand tu seras au repos. Tu en parleras, tu parleras de ton Dieu, tu parleras de son enseignement, tu parleras de ces choses de la vie éternelle. Mais attention, ne fais pas de cela comme une loi, ne fais pas comme cela comme une obligation. Il y a des parents qui disent, bon les enfants, maintenant venez, c'est le culte de famille. Et puis le culte de famille est tellement sec que les enfants, ça les embête. Alors ils viennent comme ça, en train dans la main. Moi, j'étais justement en train de jouer avec mon camarade, etc., etc. Allez, tu t'assois, maintenant tu écoutes la parole de Dieu. Ah là 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 là. Faites de cela une joie. Faites de cela une bénédiction. Faites de cela un moment de bénédiction avec les enfants. Faites de cela quelque chose qui est joyeux, où il y a échange les uns avec les autres, quelque chose d'intéressant. Vous ne savez pas le faire? Eh bien, demandez à Dieu, il vous apprendra. Celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu lui donnera sans reproche. Mais éduque tes enfants dans la voie qu'il doit suivre. L'intention de ce commandement, l'intention de Dieu de ce commandement n'est pas pour mettre un fardeau sur les enfants afin qu'ils soient obéissants et soumis de façon servile comme un esclave qui tremble pour la punition au cas où on ne fait pas exactement le commandement. Si c'est ça l'esprit, eh bien vous détruisez tout. Ce commandement n'a jamais été donné pour servir d'un bâton par les parents pour exprimer la colère de Dieu sur l'enfant afin de les obliger d'obéir à leur volonté. Et certaines fois, la volonté des parents est contraire à celle de Dieu. Alors attention, attention. Ces commandements que Dieu a donnés ont joué un très grand rôle dans la communauté d'Israël afin de la consolider, afin qu'elle soit forte, unie. Et la force de la communauté et l'unité de la communauté dépend de la force des familles qui l'accompagnent, qui la composent, dépend de l'unité des familles qui composent cette société. Et ça, c'était la force du peuple d'Israël, qui était centrée sur la famille qui doit être forte, avec des principes de base, pour le bien de chacun.
Dieu voulait qu'il y ait du respect. Du respect entre jeunes et âgés. Mais ce n'est pas sens unique. Entre âgés et jeunes. Il y a des vieux, entre guillemets, qui demandent le respect des jeunes. Mais eux, ils ne savent pas respecter les jeunes. Il doit y avoir réciprocité. C'est vrai, le jeune doit respecter celui qui est plus âgé. C'est son devoir. Et Dieu l'a dit, respecte ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Dieu l'a dit. Mais si papa ne respecte pas ses enfants, comment voulez-vous que les enfants respectent papa? Ah, tu exiges que tes enfants te respectent. Mais ton enfant sait très bien que tous les soirs tu es quelque part. Et que tu rentres à des heures impossibles. Et que tu insultes la maman de ses enfants. Tu ne t'entends pas avec elle, tu cries derrière elle. Tu prétends qu'elle n'a pas à savoir où il va. Tu rends robe de mensonge, disant que tu es venu en retard, tout simplement parce que tu as eu un travail supplémentaire au bureau et tu es resté au bureau. Après, tu es allé boire quelque part avec les copains. Et tu racontes toutes sortes d'histoires alors que tout le monde sait très bien que tu vas avoir ta copine quelque part. Et ton enfant est le premier à le savoir, à travers ses camarades. Maintenant tu demandes à ton enfant qu'il te respecte. Comment peut-il te respecter, dis-moi un peu, alors que tu n'es pas respectable? Ah oui, la tragédie du monde d'aujourd'hui. Croyez-moi, les enfants ont le sens de la justice, même quand ils sont déjà tout jeunes. Mais maman, tu as promis. Eh bien, j'ai dit non, c'est terminé. Mais tu as dit que tu me donnerais cela si je faisais cela. Tu l'as promis. Allez, laisse-moi tranquille, va-t'en. Ouais. L'enfant va pleurer. Mais l'enfant a le sens de la justice, maman a promis, et c'est vrai. Et si tu as promis, maman, il faut que tu fasses ce que tu as promis. Et si tu ne peux pas faire ce que tu as promis, tu prends l'enfant dans tes bras, tu dis, écoute mon petit, c'est vrai, j'ai promis, je reconnais. Mais tu vois, il m'est impossible de faire ce que j'ai promis maintenant, je me suis trop engagé. Crois-moi, dès que je pourrai, je vais le faire. Et quand tu peux, tu le fais. Tu es lié par tes paroles devant ton enfant. Cet enfant, tu l'éduques. Et tu dois lui apprendre le respect de la parole donnée. Voilà pourquoi tellement d'entre nous, nous ne savons pas respecter notre parole. Je suis fatigué de t'entendre ces gens qui me disent, « Oh, pasteur, oui, oui, je serai là dimanche prochain. » On ne les voit jamais. Je pourrais donner des noms ici. Je pourrais donner des noms, en tout cas. Mais je ne veux pas donner des noms. Oh, pasteur, je serai là dimanche prochain. On ne les voit jamais. Tu mens alors, tu mens. Des fois, j'ai envie de leur dire devant la figure, espèce de menteur. Ne me dites pas quelque chose que vous n'allez pas faire. Ne le dites pas, parce que vous êtes condamnable dès l'instant où vous le dites et que vous ne le faites pas. Je dis ça pour cette chose-là, mais il y en a d'autres. Si nous éduquons nos enfants, nous faisons ce que nous disons. Ah, nous voulons avoir beaucoup d'enfants. C'est bien. Beaucoup d'enfants. Il ne suffit pas de les avoir dans les bras. Il ne suffit pas de dire, oh, le joli petit bébé, un petit sourire. Ce bébé va grandir. Il va marcher. Il va réfléchir. Il va voir la conduite de papa et va voir la conduite de maman. Et ce qu'il va influencer toute sa vie. Et puis l'égalité entre les enfants. Attention, papa. Pourquoi ce petit est votre chouchou? Et les autres, vous ne faites rien pour eux. Mais pour le chouchou, vous faites tout. Eh bien, vous êtes injuste. Et les enfants voient ça. Et souvent, celui qui est le chouchou, il est gêné et il est mécontent. Parce qu'il se voit placé au devant des autres. J'ai souvent entendu des enfants dire comme ça, j'étais le chouchou de mon papa ou de ma maman, mais j'étais dérangé à cause de mes frères et sœurs. Ce n'était pas juste. L'enfant voit cela. Comment vas-tu enseigner à l'enfant la justice après? Quand toi tu es injuste dès le départ,
Tu dois les aimer tous la même chose. Tu dois les corriger tous la même chose. Même si tu es un faible pour celui-ci ou celui-là, tu ne le montres pas. Car tous ont le droit, ont le même droit sous le toit de ta maison. Tu en as 10, eh bien souviens-toi que tu as le même, et les 10 ont le même droit. Ils n'ont pas demandé de venir dans le monde. Y en a-t-il un ici qui a demandé de venir dans le monde, qui lève la main? Ah, c'est toi qui as demandé, papa. C'est toi qui as demandé, maman. Et tu en as voulu 10, eh bien c'est toi. Ah, mais c'est Dieu qui donne. Ah bon, c'est Dieu qui donne. Tu n'as rien fait pour ça, c'est ça? Soyons des hommes et des femmes responsables. Des hommes et des femmes responsables, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah! Vous voyez donc, il y a la volonté de la chair et il y a la volonté de l'homme pour que nous soyons ici dans ce monde. Si moi je vis aujourd'hui, c'est parce que papa Gaston Verneau l'a voulu et maman Clara Verneau l'a voulu. Amen. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour cela. De Dieu a donné la vie, c'est vrai, mais il l'a donné avec l'accord des deux, c'est pas vrai? Donc, nous avons une part de responsabilité. Et ça, nous ne devons pas le lâcher. Il faut le reconnaître. Nous avons 10 enfants et nous devons tout faire pour ces 10 enfants. Nous en avons 3 et nous faisons faire tout pour ces 3. Si je ne suis pas capable d'en avoir 10, j'en aurai 3. Mieux vaut en avoir que 3 que 10 et d'élever ces 3 comme il faut et qu'ils soient rentrés dans le royaume des cieux. Mais alors si j'ai 10 enfants et puis qu'il y en a 8 qui vont avec Satan, alors là j'ai failli. J'ai failli. Ah, vous dites rien. Dieu voulait qu'il y ait du respect entre jeunes et âgés pour l'équilibre et le bien-être de chacun. Le jeune d'aujourd'hui sera vieux demain. Ah, vous entendez, jeunes gens? Le jeune d'aujourd'hui sera vieux demain. Et le vieux de demain réclamera de ses enfants l'honneur et le respect que vous réclamez d'eux aujourd'hui. Si du moins vous leur avez enseigné. Et c'est ainsi que les générations passent les unes après les autres. Soyons des hommes responsables. Et si notre pays est malade, c'est parce que nous avons perdu de vue la véritable valeur de la famille. La valeur de la famille. Si l'Église est composée de familles solides, l'Église est forte. Quels sont ici les chefs de famille qui sont ici présents? Papa, chef de famille. Chaque papa représente donc sa femme et ses enfants. Que ceux qui sont chefs de famille lèvent la main ici. Je voudrais les voir. Levez bien haut que je puisse bien regarder. Merci. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de célibataires au milieu de nous, c'est pas vrai? Beaucoup de célibataires qui pensent au mariage, mais voilà, le mariage, on n'arrive pas à le faire, il faut trouver l'argent. Aïe, 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 aïe. L'argent. Le mariage dépend de l'argent, c'est ça? De la dot qu'on va payer. J'entends ces histoires dans mon bureau, ça je vous assure. Hein. Moi je suis antidote. Une dot symbolique de 100 francs congolais, c'est terminé. Il y a trop d'exploitation à ce sujet. Et c'est à vous, génération, nouvelle génération, de changer ça. Promettez-le, prenez l'engagement devant Dieu, que quand vos enfants se marieront, vous ne demanderez qu'un symbole. Puisque c'est votre coutume. Et que vous voulez rester dans votre coutume. Alors un symbole, ça va. Je parle sérieusement, mes frères. Ici, à peu près la moitié de l'Église n'est pas encore mariée. Vous vous rendez compte? Donc, nous avons la moitié de l'Église, ce sont des demi-hommes et des demi-femmes.
Avec des demi-hommes et des demi-femmes, on n'est pas si fort. Eh oui. L'homme et la femme mariés, c'est une unité. Vous m'entendez, c'est la Bible qui dit ça. Une unité. Et tant que vous n'êtes pas mariés, vous êtes une demi-unité. Donc, beaucoup plus faible. Mais gloire à Dieu pour les familles qui sont là. Et je vous exhorte, soyez des exemples afin que ces jeunes comprennent ce que c'est que la vie et qu'ils puissent prendre exemple pour vous. C'est vrai, je bavarde beaucoup et le temps passe vite. Jésus lui-même enseigne ce commandement par son exemple, dans sa propre famille et par sa propre parole. Jésus a honoré ses parents. Il a honoré ses parents, nous le voyons du reste à 12 ans, lorsqu'il était à Jérusalem et qu'il s'est entretenu avec les docteurs de la loi et qu'ils étaient étonnés de voir sa connaissance des Écritures. Il a oublié ses parents et ses parents l'ont oublié. Et ils sont partis sur la route pour rentrer après la fête. Et après une journée de marche, Jésus, où il est? Où il est? Petit Jésus de 12 ans, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Vous ne l'avez pas vu? Vous ne l'avez pas vu? Ah, nous pensons qu'il jouait avec ses amis là-bas. Non. Oh là là, ils sont retournés à Jérusalem, marchant toute la nuit de nouveau pour retrouver leur enfant. Il était dans le temple à parler avec les docteurs de la loi. Quand ses parents l'ont reproché, il lui a dit, viens. Et oui, d'accord. Et il les a suivis. Jésus a respecté ses parents. Jésus était véritablement homme, quoique fils de Dieu. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il s'est diminué. Il s'est abaissé. Il est né. Il a grandi, étape par étape, jour par jour, pour parvenir à l'âge adulte. Il a passé bien plus d'années dans sa famille que de temps dans son ministère. 30 ans. À Nazareth dans sa famille, voilà. Et probablement que son papa Joseph est mort assez jeune. C'est ce que tout le monde pense, puisque la Bible n'en parle plus. À certains moments, elle n'en parle plus. Mais la Bible nous parle des frères de Jésus, les petits frères, puisque lui était le grand frère, et des sœurs de Jésus. Et je suis persuadé que Jésus a continué l'affaire que le papa avait commencée. Avait mis en route, il avait un atelier de charpentier, il faisait les charpentes pour les maisons qu'on construisait. Il prenait les commandes pour faire des portes, les commandes pour faire des fenêtres, que sais-je encore. Peut-être même pour faire des roues, des chars qui étaient tirés par les bœufs. Il devait le faire pour pouvoir avoir une subsistance. Il y a toute cette période dont la Bible ne nous parle pas. Mais Jésus a respecté ses parents et il n'y a qu'à voir comme il a pensé à sa mère jusqu'au moment où il était pendu sur le bois de la croix. Beaucoup de ces années ont été passées à prendre soin de sa mère, veuve, à prendre soin de ses plus jeunes frères et sœurs. Et même l'un de ses frères est devenu un champion dans l'église primitive. Il s'appelait Jacques. Mais il a fallu du temps jusqu'à ce qu'ils comprennent. Parce que le grand frère, on a considéré qu'il était hors de sens. Hors de sens. Il remuait tout le pays. Et sa famille et ses frères disaient, mais enfin, il est hors de sens. Regardez ce qu'il fait. Oui, mais le grand frère était plus que le grand frère. Non pas seulement d'une famille, mais de l'humanité toute entière. Et tous ceux qui croient en lui rentrent dans sa famille. À plusieurs occasions, Jésus rappelle à ses auditeurs ce commandement. Dans Marc 7, 13, il dit là, verset 9 à 13, Marc 7, verset 9 à 13, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu,
c'est le mot qui est employé, corban, une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Ce que vous dites, donnez-nous votre argent, donnez-vous vos biens, vous allez les voir, vous prospérerez. Plus vous me donnez votre argent et vos biens, plus vous prospérez. Ah, je vais prospérer. Alors je donne. Alors je donne. Papa est vieux. Maman est vieux. Ils ne peuvent plus travailler. Ah, papa et maman, en tout cas, moi, j'ai tout donné à Dieu. C'est normal, ça? C'est normal? Et c'est ça qu'ils faisaient. Quand leurs parents, déjà âgés, demandaient de l'aide, ils répondaient, « Nous ne pouvons vous aider. Tous nos biens sont consacrés à Dieu. » Jésus a vu cela, et il a vu comme quoi c'était une ruse. Qu'est-ce que Dieu demande? Il vous demande de donner votre dîme, la dixième partie de vos revenus, là où vous êtes nourris par la parole. Voilà ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent, « Oh, mais moi j'utilise ma dîme pour aider celui-ci, pour aider ce malheureux, pour aider cet évangéliste, pour aider... » Non, ce n'est pas vrai. La dîme appartient